Et salut à tous et à toutes, c'est The Solirion, on se retrouve pour la partie 2 de Pokémon version Emerald Merison. Oui, j'avais mal prononcé la dernière fois, excusez-moi, j'ai fait n'importe quoi. Donc ça dit bien Merison. Et c'est parti, on continue là où on en était arrêté. On s'en était arrêté ici, il fallait qu'on aille retourner voir le professeur et Flora dans le laboratoire. Et donc on y va. La petite musique cool. Par contre, le son est toujours un peu bugué, je ne sais toujours pas pourquoi. Mais bon. C'est pas bien grave. Personne va en mourir. Moi, j'espère. Espérons juste qu'il n'y ait pas des truands qui vont arriver avec leur Kalachnikov et vont faire « Wata, mauvais son !» Et voilà, ils vont tuer tout le monde. Il paraît que tu as battu Flora. Belle performance, tu as remporté ton premier combat contre un dresseur averti. Flora m'aide dans mes études depuis bien longtemps. Flora a déjà de l'expérience comme dresseur. Tiens, Soli, j'ai commandé ça pour mes recherches, mais je crois que ce Pokédex sera plus utile qu'à moi. Lui reçoit le Pokédex. Le Pokédex est un outil de haute technologie qui enregistre automatiquement les informations sur les Pokémon rencontrés ou attrapés. Flora emmène le sien partout. A chaque fois qu'un nouveau Pokémon est enregistré dans son Pokédex, Flora vient me chercher sur le terrain pour me le montrer. Oh, c'est super, Soli. Toi aussi, tu as un Pokédex. C'est génial, tout comme moi. Tiens, j'ai quelque chose pour toi. Ah, des Pokéballs. Génial. Soli met les Pokéballs dans les Bah voilà. Tu verras, c'est marrant d'attraper plein de Pokémon. J'allais explorer un peu la région parce que je veux d'autres Pokémon. Si je trouve des Pokémon mignons, je les attraperai avec des Pokéballs. Ok. Donc quelque chose que j'ai pas dit, je pense que je vais le faire un peu en Nuzlocke. C'est-à-dire que j'attraperai que le premier Pokémon que je connais. Enfin, pas en Nuzlocke vraiment. Mais au lieu d'attraper que des Pokémon cheatés tout le temps, je pense que j'attraperai juste le premier Pokémon que je verrai dans chaque zone. Enfin, j'aurai le droit d'attraper le premier que je vois. Donc voilà, ça serait plus mieux. Ça rajouterait un peu plus de défi, voilà. Donc au début, Attends, Soli. Soli, tu vas... Bah, je vais continuer le dialogue après. Donc oui, je pourrais attraper que le premier Pokémon que je croise. Mais comme là j'ai déjà fait les deux premières zones, j'en attraperai aucun dans ces zones-là. Soli, tu as fait connaissance avec le professeur Seiko? Oh, quel adorable Pokémon, le prof Seiko te l'a donné, c'est gentil. Tu es bien comme ton père, tu sens mettre en accord avec tes Pokémon. Tiens chouchou, si tu pars à l'aventure, mets ces chaussures de sport. Elles vont te faire aller plus vite. Et oui, parce que quand on a des chaussures de sport, on va plus vite que quand on a des chaussures de ville. Et oui. Et donc si vous voulez courir plus vite, achetez des chaussures de sport Adidas. C'est la meilleure marque ou pas. Voilà. Parce que oui, les Adidas, c'est mieux pour... on va plus vite avec des Adidas qu'avec des Converse, hein. C'est maman qui l'a dit, pas moi. Soli, ces chaussures s'accompagnent en mode d'emploi avec ce... Oui, mais je m'en fous du mode d'emploi, je sais comment on court. Bon, je pense que tu as ton propre Pokémon maintenant. Ton père va être ravi. Mais je t'en prie, fais attention, si ça se passe mal, tu peux rentrer. Vas-y, va tous les attraper, chouchou. Donc voilà, mais en fait, non, en fait, Du coup, non, ça fonctionne encore parce que j'avais pas encore les Pokéballs, du coup, bah, ça marchait pas. Du coup, bah là, je pourrais attraper le premier Pokémon que je croiserais. Et donc oui, j'ai un peu plus regardé des détails de la version. Donc oui, les movesets des Pokémon ont changé, les stats ont été revus à la hausse, ont augmenté la difficulté. C'est pour ça d'ailleurs que la première partie, je me suis fait tuer par un Aspico. En fait, ses dégâts ont été augmentés. Donc voilà. Donc je travaille que le premier Pokémon de chaque zone. Donc voyons voir. Juste regarder. Si je suis correct. Ok. J'ai pas compris ce qui s'est passé, mais c'est pas grave. Bref, voilà, désolé, j'ai eu un petit problème. En fait, j'ai mis sans faire exprès le plein écran, du coup, ça a tout fait planter. Voilà. Bah, un Aspico, tiens, comme par hasard. Bah, on va essayer d'attraper l'Aspico. Je suis pas censé lui faire beaucoup de dégâts avec ça. Effectivement, je lui fais pas beaucoup de dégâts. Oh, par contre, lui, il va me défoncer. Bah non, en fait, ça va. Ah bah oui, empoisonné. C'est quoi? Je vais essayer. J'ai peur que ça le tue. Je vais quand même essayer, mais j'ai peur que ça le tue. Ah voilà, bon. Bon bah tant pis. Bon bah pas de Pokémon pour cette zone. J'aime pas me battre contre les Aspico, ils me font vraiment cher. Viens juste à m'empoisonner et hop. Euh,
Normalement, je suis large. Hein. Voilà, c'est bon, j'étais large. Hop, un petit heal. Et on y retourne. Du coup, je vais aller voir pour la... Le truc 2. La zone 2. Pour essayer d'en attraper un autre. Donc ici, bah, je peux plus attraper de Pokémon. C'est pas la peine. J'aurais peut-être dû trancher... j'aurais peut-être plutôt dû tenter trancherbe sur le Aspico. Mais bon, tant pis. Ah mais attends, j'ai les... Ouais, bah oui. J'avais oublié que je les avais. Allez, premier combat. Dans cette zone. Dynavolt. Oh. Oh. Ça, c'est bien. Je vais pas trop lui faire de dégâts. Oula. Oula. Je savais pas que ça faisait si mal que ça quand même. Normalement ça le tue pas ça. Bah c'est bon, le poison c'est large, je peux tenir un peu. Pokéball. Allez, on essaie d'attraper. Oui, c'est bon. C'est bon, on a Dynavolt. Ça me fait un deuxième Pokémon, c'est toujours bien. C'est toujours bien, comme ça je pourrais ne pas me faire défoncer par les Aspico. Donnez un surnom. Un surnom. Et re les amis, c'est bon. Donc voilà le nouveau surnom de Dynavolt. Travolta. Pourquoi Travolta? Bah, c'est juste référence à un Disney, si je ne me trompe pas, donc qui est Volt. Et la voix de Volt est par John Travolta. Donc voilà, et dans Travolta, il y a Volt. Du coup, bah, c'est génial. Hop. Et voilà. Et voilà. Oh non! Oh, un sécateur. Oh, j'aurais trop un surnom pour lui. Dommage. Un sécateur, on met un plus loin et sécateur. Parce que voilà. On va paralyser, mais non! Mais non, mais. Oh là là! Mais c'est une blague. Enfin. Cactus paralysé, il devient complètement inutile. Dynavolt, il est mort. Voilà, Travolta et KO. Ça aurait été dommage de le perdre déjà, quand même. Si je serais en Nuzlocke, j'aurais déjà dû le relâcher. Ça aurait pas été terrible. Je l'aurais soigné en même temps avant. Avec quelques potions ou un antidote, carrément. Allez. Continuons donc cette aventure. Et on va arriver dans une nouvelle zone, d'ailleurs. Qui est la route 102. Donc qui dit route 102 ni un nouveau Pokémon. Par contre je vais faire un truc. C'est que je préfère entraîner un peu Dynavolt. Ah oui, attaque SP, elle est pas mal déjà, niveau 4. Attaque SP vitesse. Oh. Là, il a une très bonne attaque. Attaque SP aussi. Charge jusqu'à j'éclair. Trop cher, mais monté à 60 de... D'accord. Il a aussi... Ouais, 60 avant, c'était pas 60 tranchables, c'était 45, il me semble. J'oublie toujours que j'ai ces chaussures de course.
et un Skitty. Honnêtement, Skitty ne m'intéresse pas. Donc bah je vais pas prendre, je vais pas en prendre. Non, il rate, voilà. Honnêtement, Skitty m'intéresse pas, donc je vais pas le capturer. Mais non, mais non. Il va juste être horrible à tuer, lui. Heureusement que mon cactus a des attaques spéciales, là. Quoique, attends... Si, trancherbe, c'est spécial. J'ai un petit peu entraîné au moins monter jusqu'au niveau au-dessus. Nénupio. Un petit cage éclair. Le combat va être un peu long. Vas-y, mes coups critiques. D'où coups critiques? Faut vraiment que je l'entraîne, Travolta. Travolta, ouais, je vais essayer de l'entraîner. Je vais pas passer à faire comme dans la vidéo précédente avec une petite musique en fond. Je pense qu'on va continuer comme ça et puis s'il y a besoin, je switcherai avec Cactus. Ça ira très bien. Allez. Et ben on va affronter notre premier dresseur. Hein. C'est parti. J'aime bien cette musique. Craquenois. Est-ce que sur les craquenois, cage éclair, ça marche? Non, ça marche pas. J'avais un doute. Ouh. Parce qu'en fait, avec les capacités qui ne devraient pas marcher, par exemple avec hypnose sur un type psy, ça marche. Donc je voulais. Je savais pas si ça marchait sur les types sol aussi. Bah du coup non, ça marche pas. Et voilà, je t'ai battu. Travolta monte au niveau 5. Ouais, je pense que je vais entraîner comme ça. J'ai perdu, j'aurais dû davantage entraîner mon Pokémon. Ah bah oui, bah écoute, hein, t'es nul, c'est pas ma faute. Hein. Je suis méchant avec les petits quand même. Je crois que je vais lui... Mais... Oh. Ouais, voilà. Ce ne sera que bénéfique. Allez, combat suivant. Pokémon insecte. Bon, là, j'aurais pas avoir de problème contre les Pokémon insectes. Ah, il a deux Pokémon. Chenipot. Moi, Chenipot, je sais pas vous, mais c'est pas mon ami. Hein. Oulala, s'il m'empoisonne. Oh là 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 là. Ah, il m'a ralenti.
Il me ralentit encore. Oh là 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 là. Je crois que j'aurais dû le changer. Oh, il résiste. Magnifique. Ah, il va me faire Darvenin, je vais mourir. Il va me empoisonner aussi. Ah non, charge. Tant mieux. Hop. Cactus niveau 11. Il envoie qui? Chenipan. Ah non, 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 il va se prendre les dégâts du poison avec le tour. Non, 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 vaut mieux pas. Non, bah tant pis, j'aurais pas monté. Et bah je le soignerai. Au pire, non, je ferai un petit aller-retour au centre Pokémon. Je pense que j'accélérerai juste le moment où je... Sérieusement? Bon! Bon. Je sais que ça va pas le tuer, je vais juste me récupérer quelques PV. Ah bah si, ça le tue, coup critique, bah tant mieux. Je vais juste mettre le... faire un petit accéléré juste pour aller soigner. Au pire, s'il va mourir, hein, bah c'est pas grave. De toute façon, là, le bonheur, je m'en fous un peu. Hop, un petit accéléré. La musique est juste horrible en accéléré, hein. Hop. Voilà. Et on continue sans le speed. Je suis pas très gros alors je m'enfonce dans les hautes herbes. La plateau de mes narines, Hatchoum. Ce petit garçon vient de m'éternuer dessus. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux te battre, c'est ça? Oh, fais gaffe, hein, j'ai 12 ans, oh, hein. Vas-y, mais je suis une racaille, moi je suis en... je vais même plus à l'école, qu'est-ce que tu veux? Nénupio. Et bah affrontons Nénupio. Oh yes, il est paralysé. Oh oui, encore paralysé. Ah oui, vas-y, allez. Allez, voilà, c'est bien Travolta. Et niveau 6, bah, tout va bien. Non, toujours pas d'attaque électrique. Ok. Toujours pas d'attaque électrique, malheureusement. Ça aurait été pas mal. Surtout que là, j'ai vu qu'il était maxi bon en attaque spéciale. Une attaque physique. Oulala. Ratata. Oh, il est bien. Il est bizarre le sprite de Ratata là. On dirait un truc mi-brossé, mi-pixelisé. Ça fait bizarre. Il baisse ma défense. Vas-y. Moi, je te paralyse. Toi, tu m'attaques pas. Et moi, je te défonce. Et je rate. Ok. Ok, bah vas-y, bah baisse encore ma défense. Il va me one-shot. Je sens qu'il va me faire genre charge ou vive attaque, il va me one-shot. Voilà, qu'est-ce que j'avais dit? Qu'est-ce que j'avais dit? Vraiment que Travolta il ait une attaque spéciale. Un deuxième Ratata. Nirondelle. Oh. Oh, je vais prendre cher. Oh, je vais prendre très cher. S'il a pic-pic, je vais
me faire défoncer. Mais bon, il me baisse juste ma défense, là. Attaque. Ah, mais il me baisse mon attaque, oui, mais non. Pic-pic. Oh non, c'est bon. Ah, j'ai eu très peur pour ma vie. J'ai eu très peur pour ma vie. Voilà, niveau 12. Allez, c'est encore mieux. Voilà, 30 secondes. Donc voilà. Je vais aller soigner. Non, pas dans l'herbe. Je vais ralentir, je vais accélérer, pardon. Voilà, parce que les passages jusqu'au centre Pokémon, c'est un peu chiant. Donc je vous le fais juste en accéléré pour pas que ça prenne trop de temps. Parce que me voir faire des allers-retours jusqu'au centre Pokémon, c'est pas génial. Piafabec. Oh là 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 là. Piafabec. Allez. Non, je le tente pas. Si. Si, 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 parce que sinon ça va pas aller. Ah, désolé. Si, ça va le faire. Ça va le faire. Ah bah, je crois qu'il me baisse mon attaque. Ouais, non, ça va pas aller. Déjà que j'ai pas d'attaque, mais si je me la baisse encore plus, je vais te faire aucun dégât. Je vais arriver, j'aurai un d'attaque, ça va être génial. Un en stade d'attaque. Voilà, maintenant t'es paralysé et je peux te finir. Vas-y, continue à baisser mon attaque, éclate-toi. Je vais faire attaque fois 0,33, je vais aller loin, tiens. Je dois lui faire du 2 PV par coup, je crois. Non mais c'est bon, je t'ai eu là. Je t'ai eu là. Voilà. Tout ça pour ça. Des baies. Oh, baies orange ça. Ouais, à côté baies pêcha, quelque chose du genre. Ouais mais oui, baies pêcha. C'est bon les baies pêcha. Oups. Un autre dresseur. C'est parti. Je vais continuer à gagner pour devenir le meilleur dresseur. Fais-moi avancer dans ma carrière. Bah ou alors je vais stopper ta carrière et comme tu vas perdre contre moi, bah tu vas pleurer. Aussi, c'est une option aussi. Fiat, je sais pas quoi. Zigzaton. Zigzaton. Moi j'ai Travolta, qu'est-ce que tu veux faire? Oh! Oh mon dieu, il fait mal. Ah là 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 là. S'il me fait des attaques et qu'il baisse ma défense, ça va pas faire en fait. Il est paralysé. Donc là, je peux lui faire un petit trancherbe et je le tue. Normalement. Voilà, nickel. Travolta, 45 points d'XP. Balignon. Ouais, bah je ferai un changement. Comme ça, je vais entraîner Travolta comme ça. Allez cactus, on revient à la charge. Ok, qu'est-ce que tu veux? Il est type poison, non, Balignon? J'ai un doute.
J'ai un doute. Je sais plus. Non, il est pas poison. Non, il est pas poison. Guérison. Oh mais non. Guérison. Ouais bah t'inquiète, tu soignes 30 PV, c'est bon, guérison. Oh là 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 là. Ouais bah du coup moi j'ai fait plus aucun dégât. Voilà. Voilà, voilà. Tu me respectes. Respecte-moi un peu. Ouais, bah, ouais là c'est bon. Respecte même pas, tu me fais un Volvi. Vas-y, moi je te fais Darmenin, t'inquiète. Darmenin c'est plus fort que Volvi. Et voilà. Je l'ai battu et blablabla, voilà, c'est bon. Donc ouais, t'as perdu, tu vois, j'arrête ta carrière directe. Et on arrive... On arrive à la Clémentiville. Et donc c'est à l'arrivée de Clémentiville qu'on va se dire à bientôt pour la suite. Salut tout le monde !